Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous. Nous sommes dans la joie, comme d'habitude, de nous retrouver ensemble dans le lieu céleste. Parce que le seul moyen qui nous donne des ailes pour que nous puissions être capables de voyager jusque dans le lieu céleste, c'est au moyen de la parole. Parce que c'est la parole, les ailes de l'Évangile qui nous donnent ces ailes glorieuses dont Adam et Ève avaient perdu autrefois, afin que nous puissions nous retrouver dans le lieu céleste d'un Christ, là où nous pouvons lui adorer en esprit et en vérité, comme il disait, dans la forme au puits, l'air viendra. C'est ce temps ici, il est déjà venu quand il était là avec elle. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, les adorateurs dont le Père en a besoin. Voilà, qui lui adore en esprit et en vérité. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Vous savez que nous avons débuté l'autre fois sur les mystères. Et nous avons cité les mystères. Alors qu'en cela, si vous êtes vraiment attentif et attentive, vous allez comprendre que nous sommes en train d'insister et de parler sur la guérison de l'âme, l'être cher. Quand cette vie prend fin, quand cette vie se limite aujourd'hui, il y a une autre tente par laquelle que nous devons habiter après cette tente ici, parce que cette tente est faite pour être détruite. Dépend de l'élément temps. Si votre temps arrive, vous allez quitter et il y a une autre tente que vous êtes en train de construire par l'écoute de la parole, comme le Seigneur avait dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Voilà cette tente que vous êtes en train de construire au moyen de l'écoute de la parole. Voilà, c'est l'être cher que nous nous appelons l'âme. À l'écoute de cette parole, c'est ce qui rend votre âme puisse entrer en contact avec le corps glorieux qui sort du trône de Dieu, qui est le corps théophanie. Vous comprenez? Le corps parole. Voilà, donc ça veut dire tout. Donc ça veut dire tout est toujours tout autour de la parole. Tout dépend de la parole. Tout est influencé que de la parole. Si vous comprenez. Donc quand vous rejetez la parole, vous interprétez mal la parole, sachez que vous serez incapable d'obtenir cela, d'entrer en contact, de devenir, vous voyez. Donc cela veut dire d'échanger et de transformer. Donc toute chose demande. Dépend de cette parole ici qui transforme, qui fait en sorte que nous puissions revêtir l'immortalité, nous puissions redevenir, donc ça veut dire obtenir l'état à laquelle l'état que Adam et Ève ils avaient perdu. C'est pourquoi tout au début, si nous avons dit que non, quand nous nous retrouvons dans les lieux célestes, avec une parole bien interprétée, c'est ce qui fait en sorte que non, nous sommes en train de revêtir, en fait, cet état glorieux qu'ils avaient perdu quand l'écriture était mal interprétée. Voilà. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble avec vous ce dimanche en parlant de la guérison de l'âme. Parce que si nous ne recevons pas de lui cette guérison, sache que nous sommes déjà des gens qui sont morts, mais tout en disant que non, nous sommes bien vivants. Vous comprenez? Donc, nous sommes là en prenant cet épître ici de Actes chapitre 7. Vous allez m'excuser parce que je suis en train de penser un peu, parce que nous avons un peu un petit problème là d'électricité ces derniers temps dans le pays. C'est pourquoi je jette un peu mes yeux là-bas. Je ne sais pas si
ça va partir, mais nous allons continuer jusqu'à tel point que nous allons nous arrêter. Vous comprenez? Alors, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 7. Je pense que nous pouvons continuer parce que je ne voulais pas que nous puissions lire un long verset. Oui. Voilà. Nous pouvons commencer par le verset 40. Bon. Vous allez m'excuser. Nous pouvons commencer par le verset 42. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. L'acte du Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit aux apôtres, comme Frère Abraham le disait. On peut commencer par le verset 41 jusqu'au verset 53. Je lis. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à lui seul la gloire et l'honneur. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel selon qu'il est écrit dans les livres des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu rampant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterez-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert les tabernacles des témoignages, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après le modèle qu'il a vu, ou au ciel. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. 47. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Alléluia. Toujours le prophète. Alléluia. Les enfants du prophète. Amen. La parole prophétique. Amen. L'épouse prophétique. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste Christ, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Alléluia. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avait point gardé. Voilà. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Il fallait que je puisse continuer ici jusqu'au verset 60. Mais je me limite un peu là-bas. D'autres versets, je pense que nous allons les parler en parlant de la parole. Nous sommes dans la joie ce dimanche, comme je peux répéter ça même 1000 fois, parce que la joie ineffable et glorieuse, c'est être tout autour d'un enseignement de l'Évangile, pour que nous puissions nous positionner spirituellement. Les temps est tellement mauvais, parce que si même pas la mort peut nous surprendre aujourd'hui, mais du jour au lendemain, ce monde ici peut être détruit par des bombes nucléaires, vous voyez, des bombes de destruction massive qui sont gardées dans la Russie, aux États-Unis d'Amérique, Corée du Nord, vous comprenez, il y a plusieurs pays qui en ont. Et aujourd'hui, une fois qu'ils commencent à déclencher cela, cela peut
Ces bombes-là sont capables de détruire des continents, des pays, vous comprenez. Donc, si ce moment-là peut arriver aujourd'hui, ce soir ici, toi qui m'écoutes, toi qui s'ensemble ici dans le lieu céleste en Christ, en s'abandonnant à la parole, tu ne seras pas surpris. Soudain, tu te retrouveras à la présence du Très-Haut. Pourquoi? Parce que tu es devenu une partie de lui. Tu as abandonné toute ta vie en Christ en cherchant à recevoir de lui quelque chose que le monde ne peut te donner. Comme il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Ciel est mon trône, terre est mon marchepied. La maison que Dieu cherche à bâtir, c'est toi et moi au moyen de l'écoute de la parole. Comme je viens de dire ici, que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. En écoutant cette parole, cela construit une tente que l'Éternel, le Dieu, vient pour demeurer. Comme il a dit dans Jean 14, nous allons lire ça ici, ensemble avec vous. Vous comprenez? C'est le but à laquelle que nous venons ici. Nous ne venons pas pour chercher du succès, des gloires, de l'argent, et ainsi de suite, non. Ou faire un nom, mais nous cherchons à ce que nous puissions arriver à la repentance. La vraie repentance, c'est reconnaître le pitre lit de votre temps. Ce que le Seigneur a promis pour vous. Vous comprenez? Si vous n'avez pas reconnu cela, sache que vous adorez Dieu en dehors de sa volonté. Alors qu'un enfant légitime, un enfant de la maison ne peut pas faire des choses contrairement à la volonté de son père. Vous comprenez? Le père peut vous laisser là-bas, mais vous vivez dans sa volonté permissive, alors que la volonté permissive est faite et donnée à tout humain, à tout enfant de la rue, ainsi de suite. À un enfant, du jour au lendemain, on peut le chasser de la maison. Mais l'enfant qui devait rester éternellement à la maison, il cherche toujours la volonté parfaite de son père. Vous comprenez? Comme de fils et de filles de Dieu, il cherche cette volonté en cherchant à savoir, est-ce que j'ai bien cru ou je n'ai pas bien cru. S'il n'a pas bien cru, il va se repentir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte que la femme au puits et tous ces acteurs de la Bible que nous lisons, si vous lisez très bien, à chaque fois qu'ils reconnaissaient Christ, ils reconnaissaient sa venue, ils s'humilient. Vous comprenez? Prenez l'exemple de Nathanaël et tous, vous allez comprendre, même de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui d'autres fois ils étaient habillés, on l'appelait Saül. Vous comprenez? Mais quand il a reconnu, il a compris que non, le judaïsme qui me pousse à persécuter les gens que nous appelons les chrétiens, c'est déjà de la fausseté. C'est un évangile d'hier. Comme les gens, beaucoup de gens adorent Jésus hier. Alors que le message que Jean-Baptiste avait amené pour préparer la première venue du Christ hier, c'était déjà passé. Vous comprenez? Donc ici, nous sommes dans l'air, le temps a changé, le moment a changé, l'air a changé, les jours a changé, l'âge a changé, l'époque a changé. Si vous comprenez, l'ainsi dit l'Éternel de ces temps ici, ce n'est pas de Jean-Baptiste, c'est d'Élie, le prophète de Malachie 4. Vous comprenez? Qui vient pour préparer la seconde venue du Christ et il est venu, descendu, conformément aux Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours la promesse en avance. Vous comprenez? Si nous retournons en Genèse, comme les Écritures nous parlent ici, parce que nous devons parler d'Abraham d'abord, parce que c'est d'Abraham que la promesse a été donnée. Okay, nous allons lire ça ici, vous comprenez? La promesse, Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité. Remarquez, comme nous sommes en train de parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ouais. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous l'avez? Et quand vous l'avez, quel effet elle produit en vous? Vous comprenez? Pourquoi est-ce que nous devons toujours chercher à voir et à connaître si nous avons le Saint-Esprit et si nous n'en avons pas? Nous allons parler de toutes ces choses-là. Mais avant d'avancer là-bas, retournons d'abord ici de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Quand Dieu lui a appelé, comment est-ce que Dieu traita Abraham? Parce que la promesse, Dieu a donné à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Donc ça veut dire,
Quand Dieu appela Abraham, c'est ce que je devais lire ici dans le livre des Actes, mais comme à cause du temps, je n'ai pas voulu lire toutes ces choses, j'ai lu simplement ce que Dieu leur parlait de ce qui s'est passé. Mais ce que je disais, que j'ai laissé ça un peu de côté, c'est ça. Quand Étienne parlait au-devant de ce qui était en train de lui juger à cause du christianisme, parce que l'ère a changé, et il restait toujours avec la doctrine du judaïsme, avec les lois de Moïse, ainsi de suite, comme les gens aujourd'hui restent toujours sur ce qui s'est passé dans Galilée, mais ils oublient que non, l'éternel Dieu, Christ Jésus, dont nous nous invoquons, nous adorons, nous tous, il a, quand il était là, avant de descendre dans l'Apocalypse 10, il a dit qu'il va envoyer ses anges. Quand il était avec les disciples dans Matthieu chapitre 24, nous avons dit ici, il a promis que non, le Fils de l'homme enverra ses anges. Nous avons lu ça dans Matthieu 24, verset 29 jusqu'à 31. Et nous avons lu Apocalypse chapitre 1er. Vous comprenez, verset 19 à 20, là où il parle que les sept chandeliers représentent les sept églises et les sept étoiles représentent les sept anges. Et le Seigneur enverra ses anges. Ils sonneront de la trompette sur les quatre vents du ciel et ils rassembleront ceux élus. Vous voyez? Donc, et les élus ne seront pas séduits. Toujours dans Matthieu 24, à cause de quoi? Parce qu'ils chercheront la volonté parfaite du Père, quoi, l'épître de leur temps. Qui est leur ange? Et la trompette de cet ange dit quoi pour leur salut? Voilà. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Vous comprenez? Si la trompette rend un son confus, les peuples sont dans le gâteau et dans le tourment. C'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Mais si vous écoutez la voix de l'ange, c'est là que vous allez reconnaître ce que l'Apocalypse chapitre 1, verset 20 a dit. La dernière des étoiles, le septième ange, c'est qu'il a sonné de sa trompette, parce que cette trompette, c'est l'évangile, en fait. Voilà. Donc, en un mot, la trompette de Dieu, c'est l'évangile de votre temps, du temps à laquelle que vous vivez. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup de gens, nous devons chercher à connaître cela, la promesse promise du temps. Dieu a donné la promesse à Abraham quand il lui a appelé. Il lui a donné à Abraham la promesse. Et quand il a donné la promesse, remarquez que cette promesse a été donnée avant même que Abraham puisse être circoncis, enfin, avant même que Dieu puisse leur donner les signes. Donc, ça veut dire Dieu observait Abraham et il a vu qu'Abraham, il a cru en Dieu mot à mot. Il a pris Dieu au mot. Des filles et des fils d'Abraham prend Dieu au mot. Voilà. Ils ne raisonnent pas sur la parole de Dieu. Quand on leur montre l'épître du temps, ça veut dire ils lisent, ils écoutent et ils croient. Ils s'y tiennent. Vous comprenez? Il ne part pas quelque part pour poser des questions à un ancien ou à qui quoi que ce soit, ou soit de raisonner sur cela, mais il croit, il prend Dieu au mot comme leur père Abraham qui a abandonné son père. C'est dans le livre des Actes ici, comme Étienne, il est en train de parler devant de ces gens-là. Tu peux lire ça au complet, vous allez comprendre cette histoire-là, comme Étienne est en train de parler. Vous comprenez? Devant les grands. Il n'avait pas peur de la mort à cause de quoi? Parce qu'il était sûr, il avait pris Dieu au mot, il était le véritable fils d'Abraham. Voilà. Donc ça veut dire quand Abraham a pris Dieu au mot, il a cru en Dieu, c'est lui par la promesse que Dieu lui a donnée et cela lui a imputé de justice. Et Dieu lui a donné un signe. Et ce signe-là, c'était la circoncision, que tout mal qui naîtra dans la maison d'Abraham, en commençant par lui-même, c'était d'abord, il devait être circoncis. Et Abraham était circoncis. Ouais. Et tout mal qui naissait dans la maison d'Abraham, ils étaient circoncis. Et l'enfant qui réussissait d'être circoncis pendant tout ce temps dans la dispensation du Père, vous comprenez? Donc le Saint-Esprit était représenté par la circoncision qui était ce signe-là. L'enfant ou le mâle, le garçon qui refusera d'être circoncis, on lui considérait comme un renégat. On lui considérait comme quelqu'un qui n'appartenait pas dans sa tribu. Donc, on ne lui considérait pas comme un fils de la maison.
Vous voyez? Parce que tout fils devait être circoncis. La circoncision représentait le baptême du Saint-Esprit dans ce temps laquelle que nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Et le femelle, comme on dit, les filles, et tous, ils recevaient cela. Et quand ils entraient en communion avec leur mari, quand ils, donc, vous savez, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, ouais, quand il parlait que non, je veux que la femme soit soumise, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans les assemblées des saints, ni de prendre l'autorité devant l'homme, la parole, ainsi de suite. À la fin, il a dit que, juste vers la fin, là, il a dit que non, elle ne sera sauvée qu'en devenant mère si elle demeure dans la modestie et dans la sainteté. Vous comprenez? Donc, vous, ça veut dire, vous pouvez devenir une mère, mais si vous ne demeurez pas dans la modestie et dans la sainteté, sache que vous ne verrez pas Dieu. Pourquoi? Parce que, nous avons dit ça autrefois, parce que quand l'homme se marie avec la femme, comme l'exemple d'Abraham, quand Elohim, Dieu dans la chair humaine, vous comprenez? Donc, nous allons arriver là-bas pour que j'ai souri un peu parce que aujourd'hui nous devons rencontrer Elohim, Dieu dans la chair humaine. Si tu ne l'as pas encore vu, sache que tu as mal cru. Vous comprenez? Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, comme Étienne nous parle ici, toujours par les prophètes. Vous voyez? Donc, nous ne regardons pas l'humain, parce qu'au temps de sa vie, mais nous regardons la parole qui sort de l'humain, c'est ça Dieu, les dons. Vous comprenez? Donc, comme celui qui vous parle ici, il n'y a absolument rien. Mais c'est le don là qui est Christ, qui vous parle. Donc, c'est la parole, en fait. Et nous avons vu que non, quand Elohim disait à Abraham, donna à Abraham la promesse du fils qui devait venir, Sarah doutait dans son cœur, alors qu'elle s'appelait Saraï, la stérile. Vous comprenez la stérile? Mais Abraham croyait, Sarah disait dans son cœur, à mon âge ici, mon Seigneur n'a plus de... Est-ce que moi, je peux encore avoir des enfants? Oui, donc ça veut dire, est-ce qu'une créature peut douter de son Créateur? Voyez le problème qui se passe aujourd'hui. Donc les créatures commencent à mal interpréter le Créateur par cette parole ici. C'est ce que le diable a amené l'Église. C'est ce qu'il a voulu faire, comme il a commencé cela tout au commencement dans le jardin d'Éden. Ouais. Et maintenant, Dieu ne regardait pas Sarah, mais Dieu regardait Abraham, parce que Abraham a cru Dieu à chaque parole, dans chaque vision, dans chaque songe, jusqu'à tel point la septième visitation, comme dans ce septième temps, septième âge, nous vivons, Dieu est venu dans la chair humaine, comme il était venu au devant d'Abraham, vous comprenez? Et Abraham a cru Dieu sur tout. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la parole de Dieu. Et quand Elohim parlait à Sarah, tournant son dos vers la tente où Sarah s'était née, Sarah doutait de la parole du Seigneur. Alors Dieu regarda le cœur d'Abraham. Abraham a pris Dieu au mot. Il a cru sur ce que le Seigneur disait qu'il aura un fils. Et il a cru que non, j'aurai aussi un fils. Et l'Éternel ne pouvait pas faire du mal à Abraham, à Sarah, à cause d'Abraham, parce qu'il a trouvé la foi intacte sur sa parole, sur ses promesses à Abraham, son serviteur, qu'à Sarah, comme les églises d'aujourd'hui. Et il ne pouvait pas, et la promesse s'est accomplie bel et bien à Sarah, à cause de qui? À cause d'Abraham, comme nous disons que non, quand l'homme et la femme, ils sont ensemble. Vous comprenez? Donc, ça veut dire cette promesse de dire, et comme le Seigneur avait dit que non, quitteront et deviendront une seule chair. La seule chose qui peut faire en sorte que vous puissiez devenir une seule chair, c'est la parole. Quand vous demeurez dans la parole, quand vous demeurez dans les promesses. Et cela construit petit à petit, et cela veut dire ces mystères-là, ce que Christ avait dit, deviendront un seul corps. Mais si l'un ou l'une est hypocrite vis-à-vis de l'autre, c'est pratiquement impossible que vous puissiez devenir un. Non. Parce que la seule chose qui fera en sorte que vous puissiez devenir un, c'est la parole. Vous comprenez? Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et vous allez, quand vous écoutez cela, c'est ce qui s'est passé au fait avec Adam et Ève. Je vais expliquer ça le dimanche prochain.
En fait, il faut que vous puissiez comprendre la raison, la cause des divorces, toutes ces choses, de ces chamaillés, des violences, d'insulter les uns les autres, et appeler les gens chaque fois à venir arranger. Pourquoi? Parce que l'autre est hypocrite envers l'autre. Vous comprenez cela? Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas la sincérité au milieu de vous. Vous comprenez? L'autre cache quelque chose, peut-être familial, et ainsi de suite. On a beaucoup à parler à ce sujet. Ouais, mais comme Sarah était sincère, il aimait Abraham, mais il a douté. Mais Abraham n'a pas douté. Dieu ne pouvait pas tenir compte de cela à cause de la foi de celui qui était circoncis, parce que la femme reçoit la circoncision à partir de son mari, comme l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Timothée chapitre 2. Vous comprenez qu'elle sera sauvée en devenant mère si elle demeure. En devenant mère, ça veut dire une femme mariée qui a des enfants. Une femme qui a des enfants, vous comprenez, elle a accompli la promesse du Seigneur par le vertu que l'Éternel Dieu lui a donné. Quoi? La féminité sacrée. Le moyen de garder son corps, de se vêtir et ainsi de suite. La maternité sacrée, ça veut dire donner naissance aux enfants. Et la virginité sacrée que Dieu a donnée à la femme, la virginité physique et spirituelle. Vous comprenez qu'elle ne peut pas ouvrir sa matrice pour écouter n'importe quel homme. Vous comprenez, pour venir souiller son corps, parce que son corps est sacré. Ouais. C'est pourquoi le diable, quand il a observé la femme et l'homme, il a dit, le sacré se trouve ici, dans cet être ici. Il faut que je puisse détruire la femme. Quand je vais réussir à détruire la femme, je vais réussir à détruire le monde. Vous comprenez, c'est ce que vous voyez que tous les gouvernements des organisations mondiales, ils donnent plus d'importance à la femme. Pourquoi? Ils essaient d'élever la femme, de lui dire « tu es libre de s'habiller comme ça, de faire ça, 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 ça. » Et si on essaie de faire ça sur toi, et la justice est là, on va arrêter, on va faire ceci. Donc la femme croit que non, elle est honorée, non. La seule chose qui peut honorer la femme, c'est la parole de Dieu. Si elle demeure dans la modestie et dans la sainteté. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'objectif, Dieu a fait. Christ est venu pour, quoi, comme on disait en lingala, pour Kolubola, délivrer Ève qui était enfermée comme l'Église, pour sortir de toutes les dénominations afin d'aller à la rencontre du Christ dans les airs, comme dit les Écritures. Vous comprenez cela? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que non, la circoncision à Abraham, c'est signe que Dieu a donné à Abraham, et à Abraham a obéi, c'était le Saint-Esprit sur tout mal. Abraham circoncisa Isaac, Jacob et les 12 tribus, et toutes qui sont sorties des 12 tribus d'Israël qui ont formé cette nation bénie. Vous comprenez? Donc, en cela, nous pouvons dire que non, le Saint-Esprit, donc ça veut dire en premier lieu, c'est un signe. Vous comprenez? Quand un homme croit en Dieu, Dieu va lui donner un signe, et ce signe-là, dans ce temps lequel que nous vivons, ce n'est plus la circoncision, mais c'est quoi? C'est croire en Dieu, prendre Dieu au mot, croire la totalité de la parole, et reconnaître l'épître lit de votre temps. Et quand vous faites une bonne repentance sincère envers Dieu, Père, j'ai mal cru, parce que le péché, au fait, ce n'est pas de voler, ce n'est pas d'haïr, ce n'est pas de faire tout le mal que les gens font. Mais le péché, c'est être incrédule à la parole. Parce que toutes ces histoires-là, volées, tuées, violées, faites ainsi de suite, viennent quand on interprète mal les Écritures. Vous comprenez? Quand les Écritures ont été mal interprétées, c'est à ce moment-là que l'animal ne pouvait plus supporter l'homme. L'homme est devenu l'ennemi des lions. L'homme est devenu l'ennemi du tigre, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Vous comprenez? Parce que l'animal a commencé à avoir peur de l'homme, parce que l'homme va lui tuer. Auparavant, l'homme ne mangeait pas l'animal. On vivait là, si vous lisez dans Genèse, Dieu a donné à la disposition de l'homme tout le fruit. Donc ça veut dire tout ce qu'on cultive dans les champs. Ça veut dire de légumes et toutes ces choses-là.
on ne mangeait pas quoi. Donc si nous lisons quand même dans le livre d'Ésaïe 65, dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez voir ça. Vous comprenez ça. Mais quand on a commencé à manger des animaux que nous consommons et toutes ces histoires-là, c'était à cause de quoi? Parce que le sang devait toujours couler pour donner la vie à l'homme comme à Christ qui est venu pour verser son sang pour que nous puissions recevoir ce salut dont nous sommes en train de témoigner ici. Vous comprenez? Parce qu'il y avait quelque part la rupture du sang dans la femme, sur la femme en fait. Vous comprenez? Quand le serpent lui a séduit. Ouais. Donc, quand elle disait elle-même que le serpent m'a séduite, or que ce n'était pas le serpent animal, au fait, mais c'était le diable incarné. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand nous sommes arrivés à ce temps ici, donc quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, nous avons beaucoup d'exemples à donner sur ça. Prochaine fois, je vais donner ça, même quand il y avait un taureau qui tuait déjà, qui s'était présenté au devant du prophète. Vous voyez? Comme il avait la plénitude du Saint-Esprit, il parla à cet animal-là qui tuait les gens et l'animal a obéi. Il a courbé sa tête ici, regarda en bas et il est tourné. Il est retourné là-haut. Il est resté. Il n'a pas pu faire du mal au Saint-Prophète de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pris quoi? L'autorité qu'Adam avait dans les jardins d'Éden. C'est ce que nous devons posséder. Enfin que tous les animaux, tous les êtres que Dieu a créés puissent nous obéir. Et quand, bien même que nous puissions demeurer là en ayant le nom du Christ, en témoignant cela selon la manière dont nous avons cru, cela veut dire entendu en fait, de par-ci, par-là, en rejetant l'épître dit du temps, nous ne serons pas capables de recevoir cette autorité que Adam avait. Parce que cette autorité-là, c'est le baptême du Saint-Esprit à Némo. C'est ce que nous sommes venus parler ici, dont nous avons stipulé en bas, la guérison de l'âme. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, si nous nous posons des questions en disant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un signe qui était la circoncision de quoi? Dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Ouais. Donc, le Saint-Esprit, aujourd'hui, ce signe-là dans l'homme, c'est quoi? Ça veut dire et avoir un cœur tout transformé, un cœur qui prend Dieu au mot, un cœur qui reconnaisse l'épître lit du temps. Est-ce que j'ai bien cru ou je n'ai pas bien cru? Alors que dans ce temps lequel que nous vivons, les gens disent eux-mêmes, quand vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. Quand vous êtes en train de prophétiser, vous avez le Saint-Esprit. Quand vous êtes en train de faire ceci, cela, et vous interprétez, ou ça vous parle, vous interprétez des songes et toutes ces histoires-là, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas vraiment ça. Vous comprenez? Parce que la promesse de Joël, chapitre 28, oui, c'est pour ces gens qui vont recevoir l'onction du Saint-Esprit. Mais remarquez, donc ça veut dire, quand on parle de l'onction et de la vie, c'est deux choses différentes. L'onction descend au niveau de l'âme et l'onction qui descend au niveau de l'esprit, c'est deux choses différentes. Parce que l'onction qui descend au niveau de l'âme se transforme à une vie. Vous comprenez? Et cette vie-là, c'est ce qui fait que l'homme parcourt ces sept étapes de quoi? De la stature parfaite de l'homme. Vous comprenez? La stature parfait d'un homme, vous allez commencer par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété et la patience, la piété, l'amour fraternel. Et puis, le parfait qui va descendre de ce quoi? C'est qui? C'est Christ pour demeurer en vous. Vous comprenez? Mais si cela est descendu au niveau de l'esprit, ça va vous égarer, ça va vous éloigner. C'est ça, ce sont ces gens-là dont Jésus avait parlé dans Matthieu chapitre 24. Dans ces temps-là, beaucoup de faux prophètes et de faux Christ s'élèveront. Ils feront, donc ça veut dire, des prodiges et des miracles jusqu'à celui, s'il était possible, même le seul. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui a dit cela. Ouais, voilà. Donc ça veut dire, les deux esprits seront identiques. Au dernier temps. Donc, ça veut dire, si vous n'examinez pas bien les choses, vous serez séduit par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'onction là, ça veut dire dans l'esprit, au lieu de recevoir là dans le corps, parole, dans l'âme. Et parce que quand vous les recevez là-bas, donc ça veut dire, du jour au jour, d'une étape à l'autre, vous allez grandir
Par cette écoute-là, jusqu'à recevoir une vie. Et c'est là, donc nous avons dit ici que cette onction va se transformer à une vie. Vous voyez? Et cette vie-là, c'est ce qui fera en sorte que vous allez recevoir la plénitude de l'esprit dans ce temps-là que nous vivons. Parce que le signe initial, c'est que nous disons que le don, de parler en langue. L'apôtre Paul, d'abord, l'en a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il a dit que non. Et parler en langue, ça veut dire c'est quelque chose, c'est pour les inconvertis ou les non-croyants, en fait. Le terme qu'il avait utilisé, c'est les non-croyants. Le parler en langue, c'est pour les non-croyants. Est-ce que vous comprenez? Donc, si, comme j'avais suivi l'autre fois, on était avec Cédric, il écoutait une musique là, nigérienne, donc j'ai dit, qui chante ici? Il a dit, non, c'est Théophilis, c'est ça le nom. Et il est en train de chanter en priant en langue et tout ça. Moi, je dis, bon, je ne sais pas, parce que les Écritures ont dit que non, quand quelqu'un chante ou il est en train de prier en langue, ça devait être lui-même. Il devait être lui-même, peut-être dans sa chambre, en priant Dieu, là. Mais si dans l'ensemble, ou soit en public, s'il n'y a personne qui interprète ça, donc ça veut dire que c'est quelque chose de mort. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est pour les non-croyants. Si vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour les croyants. Donc, là, nous nous mettons ça de côté. Étant des croyants, étant des fils d'Abraham. Alors, la promesse était donnée à Abraham et à sa postérité. Alors que la postérité d'Abraham, dont la Bible parle ici, à sa postérité, ce n'est pas, si on peut voir ça comme les Juifs, la postérité physique d'Abraham. Ou soit, nous, les gens des nations, comme nous avons l'habitude de dire que nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Non, ce n'est pas ça. Donc, quand la Bible nous parle ici que la promesse a été donnée à Abraham et à sa postérité, cela veut dire à Christ. Lisons d'abord dans les livres de Galates, chapitre 3. Nous lisons dans le verset 16. Nous avons beaucoup parlé. Lisons les Écritures et puis nous allons clôturer. C'est juste, on avait voulu donner des éclaircissements de la manière que nous pouvons croire, parce que croire, cela veut dire comprendre. Si vous avez mal cru, vous n'allez rien comprendre. Et si vous croyez vraiment, cela vous amènera à comprendre que non, je n'ai pas bien cru. Et vous allez vous repentir pour recommencer par la première étape qui est la justification. Ce n'est pas mal de retourner. Vous comprenez? Si vous avez fait une bonne rétrospection, vous allez voir que non, là où j'ai commencé, je devais retourner d'abord là-bas. C'est ça la repentance. Et c'est de là que Dieu va m'aider pour avancer avec lui. Comme nous venons de dire ici. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, la promesse des Actes chapitre 2, et vous recevez les dons. Vous comprenez? Donc, si vous vous repentez, vous entrez maintenant en communion avec Christ, vous entrez en processus. Donc, la première étape qui est l'étape de la justification. Croire au Seigneur Jésus-Christ. J'avais mal cru, Seigneur, pardonne-moi. C'est ce qui fait en sorte que je continue toujours à avoir ces choses qui arrivent dans ma vie, qui fait en sorte que je reste toujours dans ce même état depuis que j'ai cru. Les mêmes histoires, les mêmes choses se continuent toujours à être dans ma vie. Pourquoi? Parce que je vis dans les péchés. Et les attributions du péché, parler mal, c'est servir de ta langue pour parler mal de ton bien-aimé. Alors que quand tu parles mal de ton bien-aimé, tu parles mal de Christ. Vous comprenez? Dieu, personne n'a vu Dieu. L'apôtre Jacques nous parle de ça. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul nous parle de ça. Nous sommes des trompeurs. Quand nous disons que non, nous aimons Dieu, nous aimons Jésus, que nous ne voyons pas, mais nous sommes en train d'haïr nos frères. Vous comprenez donc? Cela veut dire, cela ne pouvait faire jamais que vous puissiez être scellés dans le Saint-Esprit, quel que soit le mystère que vous vous prêchez. Ouais, donc nous avons la haine avec nous, la jalousie. Ouais. La méchanceté et toutes ces choses-là, cela ne pouvait pas faire en sorte que nous pouvons être scellés dans le Saint-Esprit. Nous devons retourner là-bas parce que nous avons mal cru. Il y a de cela que nous se sont précipités par la lecture de la parole, par la lecture de brochures, par l'écoute de bandes. Ils ont cru, ils ont reçu la connaissance. En recevant la connaissance pour eux, ils ont vu que non, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, ils devaient d'abord tenir compte de l'état à laquelle ils sont. Peut-être que vous avez bien cru, mais quand vous avez bien cru, mais de la manière que vous avez
Entrer en Christ et commencer ce processus, si vous avez d'autres ambitions, d'autres histoires, des liens et des sectes familiales, ainsi de suite, qui vous accablent, qui fait en sorte que vous ne pouvez pas avancer très bien avec Christ, quelle que soit la connaissance dont vous vous possédez. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait en sorte que nous, beaucoup de gens n'arrivent pas à naître de nouveau, à recevoir ces signes dont nous sommes en train de parler ici. C'est ça dont nous sommes en train de parler ici. Les consolateurs. Vous comprenez? Donc, l'alliance, les gages, ainsi de suite, c'est ça les définitions du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons posé la question sur ce sujet-ci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, comme le Saint-Prophète l'en avait prêché? Ouais, donc, quand vous remarquez, vous observez la vie de quelqu'un par rapport à ce qui sort de sa bouche, ça ne se marie pas. Et directement, vous allez comprendre que celui-ci a mal écrit. Celui-ci s'est précipité. Il devait d'abord retourner là-bas, faire une bonne repentance. Et vous allez voir que c'est à ce moment-là que le Seigneur va vous aider et à vous sanctifier. Et jusqu'à tel point, vous allez demeurer là-bas à persister jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que la lettre tue l'esprit. Vous pouvez avoir l'esprit, vous pouvez avoir la lettre, mais vous n'avez pas l'auteur de la lettre. C'est lui l'esprit, c'est lui le Saint-Esprit. Si vous avez la lettre et vous avez lui, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire que non, Seigneur, gloire soit rendue à toi parce que je suis sauvé. Mais quand vous avez simplement la lettre, vous n'avez pas lui. Parce que beaucoup de gens, ils viennent au-devant de nous, mais ils savent ce qu'ils sont. Et ils savent ce qu'ils font. C'est ce qui fait en sorte que non, ils sont en train d'égarer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont derrière l'argent, la popularité, et ainsi de suite. Lisons dans le livre des Galates, chapitre 3. Nous commençons dans verset 16, je lis rapidement. Vous voyez? Nous lisons, vous allez m'excuser pour votre temps, précieux que vous êtes. Vraiment, excusez-moi. Or, la promesse a été faite à Abraham. Vous comprenez? Et à sa poste, à sa descendance. Donc ça veut dire les promesses, pardon. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Donc quand Dieu a appelé à Abraham, il lui a donné les promesses. Vous comprenez? Je ferai de toi une grande nation. Vous comprenez? Toutes les nations seront bénies à toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Vous comprenez? Et toutes les promesses bénies que Dieu a données à Abraham et à sa descendance. Vous remarquez ici, à sa descendance, la Bible nous parle ici, ce n'est pas aux deux descendances, mais à une descendance qui est Christ Jésus, le véritable fils de la foi d'Abraham. Remarquez, Isaac, il était le fils d'Abraham, mais il était venu par une doute légère de Sarah. Quand Elohim lui parlait, remarquez l'exemple que nous venons de donner ici. Vous comprenez? Faites attention, mère, fille de Dieu, femme que vous êtes, vous devez reconnaître ce que vous êtes. Et quand vous reconnaissez cela, c'est ce qui vous amènera à faire une bonne repentance au devant de Dieu et vous allez recevoir ce que le monde ne peut vous donner. Vous comprenez? Seul Christ est en devenant mère. Et vous allez demeurer dans la modestie et dans la sainteté. Ce que vous comprenez? Voilà. Une femme, une fille de Dieu. Vous comprenez? À sa descendance. Pourquoi? Christ, parce que Marie, cette église, dans l'éternel, quand les deux, ils ont tombé dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 15 et 3, pardon, verset 15, il a dit au serpent, vous comprenez? Donc, sa postérité, la postérité de qui? De la femme, comprenez, t'écrasera la tête. Vous comprenez? Alors que la femme n'a pas une postérité, la postérité vient de l'homme. Comment est-ce que Dieu pouvait parler de la postérité de la femme? Donc ça veut dire qu'on parlait de Marie. Vous comprenez? Alors c'était cette postérité de la foi de Marie. Alors cette foi-là, c'est la foi d'Abraham. Donc au fait, ce n'est pas la postérité de Marie, mais c'est d'Abraham. Parce que Marie avait cru, il a pris en considération, sans doute ni rien de semblable, c'est que l'ange lui disait. Mais Sarah a vu l'ange, elle a douté. Vous comprenez la différence? Et la doute a donné naissance à Isaac. Isaac ne pouvait pas être un fils de la foi, mais à Marie, elle a pris au mot ce que l'ange lui avait dit et elle a crié totalement. Et cela fait en sorte qu'elle a donné naissance à cette postérité promise dans Genèse chapitre
Et toi, verset 15. Et cette postérité qui était sortie de Marie, la foi d'Abraham, le fils d'Abraham. Vous comprenez la descendance d'Abraham. Vous comprenez donc, Dieu s'est servi, et elle a utilisé cette sainte vierge, une femme vertueuse qu'elle était. Et Christ est sorti et il a écrasé la tête du serpent quand cela a été promis. Vous comprenez? Lisons. Et il n'est pas dit aux descendants. Alléluia. J'aime les Écritures. Elles sont tellement claires. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit l'apôtre Paul. Alléluia. Donc, à sa descendance, il n'est pas dit aux descendants. Comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à la descendance, c'est-à-dire à Christ. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de lui que nous recevons ces signes. Vous comprenez? C'est ça la première définition que Dieu a donnée à Abraham. Et nous, les Juifs, les Samaritains, et auparavant, c'était quoi? C'était la circoncision. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision. Pourquoi? Parce que l'ange qui est venu et cet ange qui se tient dans la brèche, vous comprenez, entre le Père et le Fils, et il prend encore cette même foi, il ramène ça vers le Père. Parce qu'il se tient, remarquez, quand il prêchait le message, il parlait toujours du brèche. La brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Vous comprenez, la brèche entre le sixième sceau et le septième sceau. Il parlait toujours des brèches. Il y avait beaucoup de brèches. Il y avait une prédication qu'il a prêché simplement la brèche. Vous comprenez, c'était cet ange-là. Son rôle était là de relier cette foi-là, de prendre ce qui est de là, et d'ici vers le Père et de ramener vers le Fils, et de prendre ce qui est de Fils et de ramener cela vers le Père de nouveau, pour qu'ils puissent reconnaître Christ qu'ils ont rejeté à la croix. Ils l'ont abandonné, ils ont permis qu'il puisse être tué, vous comprenez? Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils devaient reconnaître et se repentir, Zacharie chapitre 13 et Zacharie chapitre 12. Vous comprenez? Si vous lisez, vous allez voir ce que nous sommes en train de parler ici. Et vous allez remarquer que non, cet ange-là, son rôle, c'est de faire ça. Ce que vous comprenez. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire et il a accompli cela. Et eux aussi, quand ils vont reconnaître Christ, ils vont se repentir. Vous savez, ils vont retourner d'abord dans la première étape de la grâce. Enfin, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cette fois-ci, ce n'est pas par la circoncision, mais c'est de la manière de l'écoute de la parole comme nous sommes en train d'abord reconnaître. L'épître lit du temps, ça veut dire la promesse du Seigneur Jésus-Christ dans le temps lequel que nous vivons. Et les gens ont fait des méli-mélos dans les églises, nous allons lire ça ici. Je pense que si nous n'aurons pas le temps, nous allons lire ça le dimanche prochain pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans les églises. Nous ne sommes pas contre les églises, mais nous sommes contre des systèmes diaboliques que les églises essayent de garer les fils et les filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont suivi les modèles de la mère bête, cette grande église universelle et qui a fait boire de toutes les églises qui sont ses filles à elle, de quoi la coupe de la prostitution, de la fornication, de la malinterprétation des Écritures, vous comprenez? Donc, et ils ont vu ça et ils ont commencé à malinterpréter les Écritures en disant aux gens, si vous vous parlez en langue, vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand vous vous prophétisez, vous avez le Saint-Esprit. Quand vous faites ceci, vous avez le Saint-Esprit. Or, ça, ce ne sont que des signes initiales. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut jamais aider quelqu'un à arriver à la perfection. C'est pratiquement impossible. Vous comprenez? Parce que la promesse que Dieu a donnée à Abraham, quand il lui a donné la promesse, comme la promesse de Joël est là, à toute créature, à tout humain, mais cela ne pouvait pas faire en sorte que l'homme puisse dire que comme j'ai réussi, si jamais. Non. Remarquez lui-même comme il était là. Il les a envoyés, il les a imposé les mains, ils sont allés, ils sont retournés, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ses disciples, il a dit non, ne réjouissez pas que les démons, parce que les démons vous sont soumis. Vous sont soumis. Mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les livres de vie. Et ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. Nous allons parler d'Éphésiens chapitre 4, verset 30. Avançons ici. Voilà, c'est-à-dire la descendance, c'est-à-dire à Christ. Voilà,
lui qui devait, il désire venir et demeurer et prendre la prééminence. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire que non, j'ai reçu le Saint-Esprit, Christ de nouveau en vous. Lisons maintenant dans 28-29. Si nous pouvons avancer un peu plus vite. J'ai lu toujours dans le même livre de Galates chapitre 3, 28-29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Voilà, donc ça veut dire qu'on parle des juifs et des gentils. Il n'y a plus d'esclaves ni libres. Il n'y a plus d'hommes ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. Par quel moyen? En recevant ces signes. Vous comprenez? Si nous recevons ces signes, qui est le baptême du Saint-Esprit, nous nous devenons un. Comment nous entrons en Christ? 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que vous comprenez? Par un seul esprit, au moyen d'un seul baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous entrons en communion. Et par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, par l'écoute de la parole, nous grandissons du jour au jour et jusqu'à arriver à la perfection. Vous comprenez? Or, avant d'arriver à la perfection, nous devons d'abord changer notre perception, la manière de croire et de voir les choses de Dieu, comme ce fut le cas avec Pharaon et Moïse. Moïse regardait les enfants d'Israël comme des peuples bénis de Dieu qui vont hériter le royaume. Alors que Pharaon, il les voyait comme des esclaves qui l'avaient sous son pouvoir, qui pouvaient faire tout ce qu'il veut. Alors, regardez les deux visions. C'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Comme nous avons chanté, le ciel et l'enfer sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, les deux esprits sont là. L'esprit du Mammon et le Saint-Esprit. Mais les gens ont rejeté le Saint-Esprit. Pourquoi? Apocalypse chapitre 3, Christ, il se tient là à la porte. C'est l'âge à laquelle de la Odyssée, le dernier des âges qu'on a chassé Christ à l'église. Vous comprenez? Par la compromis. Ouais, par une mauvaise interprétation des Écritures. Pourquoi? Parce que ce que le diable avait fait dans les jardins d'Éden en prenant possession de l'église, la femme, il a fait aussi ça aujourd'hui dans ce temps dans lequel nous vivons. Et ils ont chassé l'auteur de l'église en dehors. Il se tient là-bas, il frappe. C'est lui qui écoute un à un les saliers individuels. Il ouvre, il entre. Vous comprenez? Il fait de vous sa demeure. Terminons. Il n'y a rien à voir. Vous êtes un en Jésus-Christ. 29. Si vous êtes en Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous comprenez? Donc, vous recevez de lui la circoncision, la promesse dont l'Éternel avait donnée à Abraham, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Est-ce que vous comprenez? Avançons ici, la promesse a été faite à la postérité d'Abraham. Maintenant, nous allons lire Abraham, voilà. Éphésiens chapitre 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous a été donné jusqu'au jour de votre rédemption. Alors, nous sommes dans Galates, nous avançons au chapitre 3, 4, 30. Nous lisons. Nous sommes là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est vraiment profond ici. Mais je regarde le temps, il faut que je puisse m'arrêter ici. Il y a d'autres versets que nous allons lire ça le dimanche prochain. Comme Jean 16, comme 1 Jean 2 et d'autres écritures qu'on avait gardées ici, Ésaïe 28, Actes chapitre 1, j'avais écrit ça en somnolent, est-ce que c'est 1? Je ne sais pas, je vais verser ça, 1, 8, je vais vérifier ça pour savoir si c'était ça. Donc, c'était vraiment pendant la nuit, vous allez m'excuser. Voilà, nous allons nous limiter ici et donc fait terminer ici. Et puis nous allons continuer le dimanche prochain. Donc ça veut dire, Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à être scellés? Parce que nous attristons tous les jours, chaque dimanche, chaque mercredi à la réunion. Chaque prière du vendredi, soit du jeudi, nous attristons le Saint-Esprit. Comme les autres se réunissent le mardi, nous attristons le Saint-Esprit dans nos maisons,
dans notre façon de s'habiller, par notre langue, comme nous venons de dire ici, par nos yeux, tempérament de couleur, vous comprenez? Par ce que nous pensons dans nos cœurs, par nos pensées, par nos réflexions, nous attristons du Saint, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et cela fait en sorte que nous ne sommes pas encore scellés. Alors, le jour de la rédemption, ici que le Seigneur parle, je vais parler de ça à dévoilé et terminé. Vous comprenez? Par l'aide de l'Esprit. Vous comprenez? Pourquoi nous disons cela que vous attristez le Saint-Esprit? Parce que tous ces tempéraments de colère et toutes ces choses-là, les attributions du péché sont encore en nous. Mais nous prétendons être des fils d'Abraham. Nous prétendons être des chrétiens. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui est un croyant. Et un croyant, c'est quelqu'un qui s'abandonne à la parole. Il est comme un petit enfant. Remarquez, comme le Seigneur avait dit, « Laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume de Dieu leur appartient. » Pourquoi l'enfant n'a pas honte à demander pardon à son prochain? L'enfant n'a pas honte de reconnaître son erreur. Il peut faire du mal à son prochain. Dans quelques poussières de secondes, il retourne encore là-bas. Donc, ça veut dire les parents qui avaient l'habitude de toujours de se chamailler pour les enfants, ils vont voir, j'ai parlé, fingani, tout ça va bondir. Après quelques temps, l'enfant là, il va là encore retourner vers son ami. Voilà le royaume. Mais cette manière ne se retrouve pas à nous. Au contraire, nous gardons des amertumes, nous nous insultons les uns les autres et on regarde l'autre comme un pauvre et on se dit du mal pour lui, on dit que non, voilà comme il sait que moi j'ai fait ce que lui l'a fait, et c'est ainsi de suite toutes ces choses-là. Vous comprenez, nous avons beaucoup des épaules, ouais, l'orgueil, ouais, du vantardisme et toutes ces choses-là, mais nous nous prétendons être des chrétiens, comme nous voyons ça même aux serviteurs de Dieu. Vous comprenez, en présentant des véhicules, des maisons, des habits et toutes ces choses-là, c'est ce qui fait en sorte que non, cela montre que la personne qui se tient là-bas, lui aussi, il n'est pas encore scellé. Parce que à chaque fois qu'il est là, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Et tous les gens qui sont derrière lui, vous voyez, donc ça veut dire ils vont suivre qui? Ils vont lui suivre parce qu'il est le modèle. Et ce qui fait en sorte que l'ensemble tout entier, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit et vous ne pouvez pas être scellé. Alors que l'état à laquelle que nous vivons, nous avons parlé de ça autrefois, si vous vous souvenez. Quand on parlait de l'Apocalypse chapitre 10, avant d'y arriver, nous avons dit que notre Christ a quitté le trône d'intercession. Les Écritures ont parlé clairement ici dans les livres d'Apocalypse chapitre 1. Ouais, en passant par chapitre 2, nous avons vu comment est-ce qu'il a quitté le trône et il est allé. Ouais, donc l'intercession a pris fin dans le ciel parce qu'il a quitté le propitiatoire. C'est du fumé qui était resté là-bas, du jugement, est-ce que vous comprenez? Et il a passé les lumières mystérieuses, les lumières mystiques jusqu'à arriver au devant de celui qui est assis sur le trône, qui vit au siècle des siècles. Vous comprenez? D'éternité en éternité, il a pris les livres en main du Père parce qu'il a vaincu. Vous comprenez, comme il disait à Marie de Magdala, ne venez pas encore m'embrasser, Marie, il faut que je puisse aller vers le Père qui est votre Père, vers Dieu qui est votre Dieu. Vous comprenez pourquoi il devait prendre les livres de la rédemption, comme il disait à ses disciples, comme nous venons de dire ça maintenant ici. Quand il les a imposé les mains, il leur a dit, allez-y, prêchez là-bas. Et quand ils sont allés, ils sont allés et ils ont fait des miracles, et quand ils ont retourné, ils sont venus vers Christ et joyeux, vous comprenez, en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Là, non, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom puisse être inscrit. Ne vous réjouissez pas parce que vous allez chaque fois à la montagne, vous voyez des choses changent dans vos vies, vous voyagez, vous vous mariez, vous faites toutes ces choses-là. Cela n'est pas l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. De parler vos langues, là, vous voyez, comprendre, qui sont des signes de non-croyants. Nous ne croyons pas à ça, nous croyons à la parole. Ça, ce sont des signes initiales, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des signes naturels qui puissent devenir naturels à nous. Et c'est ce qui fera en sorte que nous puissions, et si le temps arrive aujourd'hui, nous allons nous retrouver à sa présence. Voilà le rôle que le septième ange est venu faire aujourd'hui, de nous transformer. Nous sommes avec ce corps ici, mais nous sommes transformés. Donc, notre perception a changé.
Si vous n'avez pas changé votre perception, c'est impossible que vous puissiez être scellé et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi recevoir cette plénitude? Parce qu'il a dit que vous devez être scellé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Remarquez, ils étaient là dans le jardin d'Éden. Ils étaient scellés par la parole. Mais quand ils ont brisé cela, ils ne pouvaient pas atteindre les 1000 ans. La dispensation de vainqueur pour obtenir le surnaturel et rester éternellement avec cette prééminence et cette domination, avec l'image et la ressemblance de Dieu. Ils ont perdu l'image de Dieu à cause de quoi? À cause d'une malinterprétation des Écritures. Remarquez aujourd'hui combien ils l'ont mal interprété et ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait que quand Christ a quitté le trône avec le livre de la rédemption, dans l'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7, dans sa main, quand le septième ange sonna de sa trompette, son évangile, vous comprenez? Voilà. Quand il sonna de sa trompette, les mystères de Dieu qui devaient être, qui ont été divulgués, révélés, les gens sont restés là-bas en train de dormir dans les églises. Les gens sont là-bas dans des maternités ecclésiastiques comme des morts-nés. Vous comprenez? Parce que dans la maternité, remarquez qu'est-ce qui se passe. Tous les enfants qui naissent là-bas, ils naissent pas simplement en bonne vie. Il y a des enfants qui naissent là-bas, qui naissent avec la maladie. Il y a d'autres enfants qui naissent en bonne santé. Il y a d'autres enfants qui naissent de morts-nés. Il y a d'autres enfants qui naissent de prématurés. C'est la même chose avec l'Église. Vous comprenez? C'est la même chose avec l'Église. Donc, ça veut dire vos maternités ecclésiastiques là-bas ne donnent plus naissance aux enfants en bonne santé. Vous comprenez? Les enfants qui naissent souvent sont des prématurés. Vous allez voir d'autres enfants qui naissent avec des maladies, avec des anomalies. Vous comprenez? Donc, au niveau du cerveau, au niveau des organes, ainsi de suite. Vous allez voir peut-être l'hypophyse de cet enfant à d'autres est affectée si cela fait en sorte que non, des organes de croissance ne permet pas à cet enfant de grandir comme il faut. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous allez voir que non, il y a d'autres enfants qui naissent là-bas qui sont des morts-nés. Ainsi de suite, c'est ça l'Église qui n'arrive pas à cause de quoi? Parce que l'Église, à chaque fois, par la malinterprétation des Écritures, ils attristent le Saint-Esprit. Et comment est-ce que vous devez être scellé alors que l'ange puissant est descendu dans l'Apocalypse et dit avec le livre de la rédemption, afin que tout un chacun de nous, nous puissions écouter, entendre nos noms là-bas, comme il a dit à ses disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Réjouissez-vous que vos noms se retrouvent dans ce livre ici des vies, afin que vous puissiez être sauvés. Si vos noms ne sont pas ici, il disait ça à qui? Quand Judas était là. Parce qu'il aimait, comme nous aimons nos ennemis, mais ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir à nous, qu'ils ont acquis ça, ténébreuse. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous avançons avec Christ. Le jour de la rédemption, c'était l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10. Et nous, les vivants qui y sont restés, vous comprenez, pour attendre la venue du roi, cette venue soudaine, cachée, vous comprenez cela? Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Nous allons parler de ça le dimanche prochain en citant les Écritures. Et vous allez comprendre que non, cette Écriture est accomplie. D'Apocalypse chapitre 10, il est descendu avec le livre de la rédemption. Et beaucoup n'ont pas entendu leur nom. Pourquoi? Parce que ils sont en dehors. Ils sont dans des organisations. Vous comprenez? Ils ne sont pas scellés. Remarquez l'exemple que nous avons donné l'autre fois, comme le saint prophète disait quand il travaillait dans la société des chemins de fer. Il a dit que non, tous les conteneurs qui étaient là-bas, avant qu'on puisse sceller ça et puis on puisse mettre un cachet sec, il faut qu'il puisse être bien rempli. Vous comprenez? Enfin, dans des chocs de mouvement et toutes ces choses qui peuvent arriver quand le train est en marche, les choses qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être détruites. Vous comprenez? Donc, seront intactes. Pourquoi? Parce que le conteneur est bien rempli. Ouais, c'est ça la vie chrétienne. Ouais, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand l'Écriture dit ici, ça, quoi qu'il en coûte, quel que soit le mal que cela pouvait me faire,
Quel que soit ce que les gens disaient de la manière que je m'habillais, ainsi de suite, je devais abandonner ça. Comme le Seigneur avait dit, vaut mieux que tu puisses entrer dans le ciel, la main coupée, que tu puisses entrer avec cette main qui t'empêche d'entrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens aujourd'hui ont préféré de vivre comme ça. Je m'arrête là-bas. Sache que non, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption, nous avons vu les parents rédempteurs, Christ, lui, la postérité d'Abraham en qui nous devons recevoir ces signes parce que la promesse était donnée à Abraham et à sa postérité, à Christ. Il est descendu attristé. Comme il disait quand il était avec les disciples, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Pourquoi? Parce que la promesse de Luc 17 et 30, il a dit, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Il a donné l'exemple du temps de Noé, il a donné l'exemple du temps de Sodome et Gomorrhe. Le Fils de l'homme va se révéler comment il va venir dans la chair humaine, il va se cacher dans un corps de chair. Et les gens auront-ils la foi de croire cette écriture-là de Luc 17 et 30? Quand le Fils de l'homme se révélera, voilà les soucis que Jésus avait quand il mourait à la croix. Quand il pleura, c'était à cause de ça. Parce que si vous ne reconnaissez pas ça, donc ça veut dire il est mort en vain. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire Christ est mort en vain. Donc les gens ont rendu la mort du roi inutile. À cause de quoi? Parce qu'ils ont fait ce qui était fait autrefois, comme Étienne dit ici. Vous comprenez? Il dit la verset 50 ici, si je peux lire ça, vous allez m'excuser en terminant. Qu'est-ce qu'il dit? Pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est, nous ne pouvons pas être scellés, c'est impossible, je vous dis. Je suis là, dans verset 57 ici, voilà. On est là. Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas? Oh non, non, 51. Homme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et comment est-ce que nous pouvons être scellés? Le jour de la rédemption a eu lieu. Et le jour de la rédemption aura lieu. Comme 1 Thessaloniciens 4 le dit. Vous comprenez? Vous les saints qui sont restés, vous ne devancerez pas. Parce que eux, ils ont écouté la trompette du septième ange. Ils se retrouvent déjà là. Et moi et toi, nous sommes restés ici. Quelle position avons-nous en Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons continuer le dimanche prochain en donnant d'autres définitions sur cette question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous allons connaître comment est-ce que le Saint-Esprit il est un consolateur. Comment est-ce que le Saint-Esprit il est un avocat? Comment est-ce que le Saint-Esprit il est notre juge? Il est notre résurrection. Il est notre défenseur, notre intercesseur, notre guérison. Voilà la guérison de l'âme, nous sommes en train de parler ici. Il est notre puissance, vous comprenez cela? Donc, il est notre gage, il est une alliance. Vous comprenez? Donc, nous allons parler de tout cela ici, le dimanche prochain, sur cette question, qu'est-ce que le Saint-Esprit, afin que nous puissions saisir la guérison de l'âme, le baptême du Saint-Esprit. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. Shalom. Ayez la solution sur tous vos problèmes si vous prenez Dieu au mot. Alléluia.